Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo sur... On a encore des problèmes. J'ai relancé le jeu. D'accord, le binding ne s'enregistre plus. C'est génial. C'est vraiment génial. Sur Astroneer, j'espère que ce sera résolu rapidement. Tu veux bien arrêter de te moquer de moi, merci. Merci. Voilà, parfait. Nous sommes donc revenus sur le jeu. Je suis allé voir si c'était simplement un bug. Effectivement, c'est un bug, le système d'augmentation. Donc, je vais caler l'augmentation quelque part pour le moment en attendant que ce soit débugué. Je pense que c'est un problème de binding. Hein, comme on peut le voir, il y a toujours un problème de binding sur le jeu actuellement. Donc, bon, j'espère que ça sera corrigé rapidement. On verra. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer notre recherche et surtout notre récupération de matériaux. Nous allons nous diriger vers... peut-être qu'avant, tiens, regardez. Avant, on va peut-être faire un petit truc. Voilà, il doit me rester deux résines, parfait. Parfait. Il faut que je récupère encore une quelque part. Je pense que je vais récupérer celle-là là-bas. Ah, je peux la récupérer s'il te plaît, merci. Voilà, boum. Et donc, la placer ici et ici. Et voilà, laisser le truc se construire tranquillement. Parfait. Et ici, j'aimerais s'il te plaît un quai des véhicules. Parce qu'il faudra deux aluminium. Je sais que j'en ai un. Ce qui est déjà une bonne chose. Que je l'ai calé ici. Hop. Et je sais que je peux peut-être en retrouver un deuxième, il me semble. Au niveau de la base là-bas. Du coup, on y va. Enfin, des restes de vaisseaux. Là-bas. Par contre, je ne veux pas de ce... Voilà, merci. J'espérais peut-être avoir ce qu'il faut aussi, hein, je l'admets un peu. Pour déjà me rendre sur place. Bon, ce n'est pas le cas, tant pis. J'ai été légèrement spoilé par les différentes nouveautés que j'ai pu voir, que j'ai pu retrouver, entre guillemets, dans le wiki. Qui m'a permis d'aller voir si c'était buggé et ce que c'était exactement. Donc je sais ce que c'est maintenant. C'est un système qui m'a permis en fait de préciser un petit peu ce que je veux modifier. Il y a plusieurs augmentations. Je ne vais pas les spoiler, entre guillemets, vous les spoiler à vous. En attendant, je vois aussi qu'à droite nous avons un de ces fameux arbres que nous allons donc aller dégommer au passage. En toute sympathie. Hein. Et celui-ci n'en a pas. D'accord, donc ils ont en fait supprimé le fait que tous puissent avoir ce genre de choses. Intéressant. Sur le principe, je trouve ça intéressant. Ça oblige le joueur à se déplacer beaucoup plus et à rechercher les objets de recherche, qui semblent un peu plus logiques sur le principe. Donc voilà. Continuons. Ah bon, faut que j'arrête de marcher dessus par contre. Parce que moi quand je suis une ligne, je la suis droit dessus. C'est dans ma tête, hein. Je suis un peu maniaque sur les bords, ça se voit pas, paraît-il. Il y aura pas d'aluminium malheureusement. Ok, bon bah tant pis. Parti pour le titane, parti pour l'organique, il me sert strictement rien. Toi, bah du coup je vais peut-être te ramener quand je reviendrai. Je vais quand même par principe creuser un petit peu l'endroit. Vérifier que nous ayons bien tout pris. Parce que ça me semble logique, hein, mais sait-on jamais. Apparemment, il n'y a rien d'autre à faire. Et puis en plus, la nuit tombe. Génial. Il me semble que nous avions vu juste à côté. En tout cas, que j'avais vu juste à côté, ceci. Sachant pas trop ce que c'était. Voilà, c'est juste une carcasse. Ok, pourquoi pas. On continue. Je vais juste... Par principe... Et du coup, en termes de spoil, je sais par exemple maintenant pourquoi... Pourquoi je me retrouve avec une autre couleur maintenant quand je déplace le truc. C'est le type de spoil que j'ai découvert. Si l'on veut. Hop. Allons-y. Soyons un peu fifou. Et encore une fois, on a une grosse marche. Quand t'as pas de bol. Allons-y. Merci pour la lumière.
petit peu. On l'a déjà entièrement reperdu, mais c'est pas grave. Oula! Je viens de voir aussi que je n'avais pas de lien. Hop. Et j'en ai même plus du tout. Donc il faut que j'en crafte. C'est parti. Le module étroit qui nous aura finalement servi à rien. C'est dommage. Nous avons de l'oxygène à droite. Peut-être un peu plus de chance ici. Je suis désolé pour le voisin qui gueule encore. Parce qu'il communique uniquement en gueulant, malheureusement. Vous voyez ? Plutôt que de faire 5 minutes, ils mettent 10 minutes à se comprendre, alors plutôt que de faire 5 minutes de marche et d'aller se parler. C'est le problème. Ok, bah merde. Voilà, on est bon. Du coup, par où est-ce qu'on va? On va peut-être aller plutôt voir les différents minerais qu'on peut aller choper là-bas. Même si on... Oh merde, crédit. M'agresse pas. En plus, oh génial, nous avons des choses intéressantes ici. Un violet que je n'avais jamais vu d'ailleurs. Et qu'on a en double. Cool. Du coup, on va essayer de remonter tout ça. Vous savez qu'à 3, c'est chiant à ressortir. Hein. Hop. J'ai presque envie de vous le passer en accéléré. Mais bon. Peut-être que ça fera réagir certains développeurs de voir que c'est un peu long de remonter 3 trucs. Si ça veut bien les remonter en plus, parce que la pente est un petit peu abrupte. Parfait. On est bon. On y va! Si j'arrive à le caler un peu après. Merde. Non, t'en vas pas. Ok, on est bon. Tu peux éviter de rouler, s'il te plaît, aussi. Merci. Hop. Oula, par contre, la terre est basse, hein. Crac, voilà, on est bon. Il n'y a plus de musique, c'est pas flippant du tout. Je vous assure que c'est pas flippant. C'est pas comme les ombres de ces trucs-là qui sont pas flippantes non plus, au passage. Putain, j'ai 40 000 km à faire avec. Je vais pas m'amuser à les transporter comme ça, c'est pas possible. Bon, on y va, on fera des allers-retours, c'est pas grave. Ici, j'ai un trou. Hop. Mais des fois, j'ai l'impression que ça marche et qu'en fait, ça marche pas, mais que ça marche. Donc, je préfère, pourquoi je les corrige? C'est pour m'assurer que, lors d'un fixe, ou n'importe quoi, ce soit fonctionnel. Hop, on n'est pas rendu, hein. Ouais. C'est ce qui risque d'arriver souvent en plus. C'est de se projeter au plus loin. Crac. On est parti. On est sur un bon rythme de croisière, si je puis dire. Crac. On est bon. Bah dis donc, c'est fastidieux. Quand t'as pas de véhicule, et que ta vie te semble morne, que t'as pas le permis. Bon, moi je l'ai, j'ai du bol. Mais je connais des gens qui l'ont pas, ils sont prêts de l'avoir, j'espère. Y a des risques sinon. Ah merde. Hop. Bon, heureusement, il fait beau. Et dans 10 minutes, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une petite tempête, vous allez voir. Tous les coups. Ça va être pour ma gueule. J'ai dit qu'il faisait beau, ça va changer maintenant. Ok, on y va.
Alors pourquoi j'en chie un peu plus? Parce que le terrain n'est plus plat. Vous voyez, du coup, en fait, quand mon personnage monte, faut que je déplace ma souris en fonction. Ce qui est assez casse-couille. Alors, je suis plus droitier, donc je vais plutôt rester à droite. Enfin, à gauche, pour pouvoir les prendre avec la main. Oh, bien joué. Comment faire un dunk avec... J'aurais voulu le faire que j'y serais jamais arrivé. Je suis désolé, je suis encore dessus là pour le coup. Ah putain, c'est ça qui est bon. En plus, faut que je profite du jour pour charger à fond. Le truc. Hop. Ah, c'est bon. Crac. On y est presque. Plus que toute la base à traverser. Fallait pas que je le dise. Merde. Oh, c'est bon. Peut-être que je vous l'avancerai, c'est pas grave. Vous aurez le droit à ma superbe voix en mode accéléré. Ce qui vous fera tout ce qu'il fait, j'en suis sûr. Hop. Attendez. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais tous les ramener. Hop les. Hop les. T'excites pas. Et on est bon. Ok, c'est parti, fais péter. Y'a quoi là-dedans? L'avantage, c'est qu'on a 3 recherches à faire et ou des composants qu'on va retrouver. Donc ça, c'est très très cool. Éolienne moyenne, donc c'est toujours ça le prix. On va laisser recharger. Crac. J'espère que ça va me donner plutôt un composant, en fait, finalement. Et il faudra aussi qu'on fasse autre chose en termes de base. And those are the bricks. Allez, recharge. Oh putain, c'est lent. Oh putain, j'avais pas vu que ce serait aussi lent. J'ai bien envie de faire un petit autre chose, mais ça sera compliqué. Par ici. Sauf si je vais partir toute la base par là-bas. Pourquoi pas. J'ai pas de résine sur moi. On va aller la récupérer ici. Là il m'en faudrait 2 que je ne vais sans doute pas avoir sur la base, carrément. Ça c'est de la résine, je vais prendre, hop, je pourrais la récupérer plus tard. Là je pense que t'es rechargé. Merde. Et le vrai problème c'est que je vais pas avoir le temps d'en faire un deuxième, regardez. Le soleil baisse déjà. Ça recharge. Et nous allons tomber sur un générateur moyen. Parfait, on cale ça là. Et vous savez ce qu'on va faire, on va aller chercher de l'énergie. Et de la résine. Heureusement les deux sont facilement atteignables. Hop. Hop, j'en ai plus. On se barre. Crac. Et on va chercher de la résine supplémentaire. En espérant qu'elle est correctement... Ouais, ça a l'air d'être bon. Qu'elle est correctement repoussée, si je puis dire. C'est bon à dire sur le principe, hein, mais... Hop. Allez, fais péter la résine. Voilà. 1. 2. Ok, on attend. C'est pas grave. On y retourne. Peut-être qu'avec un peu de bol, ce sera rechargé. Dans ce cas-là, on aura 2 packs d'énergie pour nous. Ou un seul pour nous et un pour la base au cas où. Mais sinon, on en profitera à fond. Un petit peu d'oxygène, ça fait du bien. Il y a un petit côté dans la musique, ça me rappelle un petit peu le thème de Daredevil, la série sur Netflix. Voilà, vas-y, fais péter. Merci. Et ça n'y est pas encore. Par conséquent, je vais attendre. Ah putain, et regardez ce qui reste. Comme quoi, vous voyez, on a bien fait, finalement. Voilà, merci pour la recharge. Vas-y, fais péter maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une navette grande, donc c'est pour les véhicules. Ok, c'est pas si mal, c'est pas si mal, c'est pas si mal, on a encore 15 minutes. On est dans le noir, entre guillemets, si je puis dire. Du coup, autant en profiter à fond. On retourne sur place.
Et on va rechercher encore une fois dans la même... Pourquoi je vais aussi loin? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai que c'est gênant pour le transport, pour tout le reste. J'aurais peut-être tenté un truc. C'est regarder où est-ce qu'elle est la plus proche. Je sais que j'en ai vu une beaucoup plus proche, normalement. Peut-être qu'elle était par là, je ne sais plus. On va aller voir, on peut se permettre de se balader un petit peu. Hein. On a... Ah voilà, c'est peut-être là. Non, non, c'était... Là, c'était quoi? C'est du composite, je vais peut-être le prendre. Et loin, t'en as pas fait un là? Ah bah voilà. Je commence à me poser des questions. Là il y en a un. Là il y en a un, là il y en a un. On a pratiquement utilisé toute notre énergie pour ça. Hop. Ok, donc là apparemment il n'y a plus rien. C'est pas grave. Ça c'est quoi? On avait dit de l'hydrazine, donc ça c'est pour le carburant, ce sera pour plus tard, donc voilà, il y avait un trou ici. Ok, ça je récupère aussi. Forcément, c'est ce qui va me permettre de faire des... Ça va être long. Oh! Voilà, boum! Allez, fais plaisir à papa, si je puis dire. Ce qui dit comme ça est très bizarre. Il faut bien l'admettre. Crac. Faire un truc assez large pour que je puisse y monter et y descendre. L'oxygène! T'as pas oublié un truc, Marcus? T'as même oublié deux trucs, c'est qu'il faut les construire aussi. Ok, ça c'est un poil dommage, donc je vais... Hop, crac, voilà. Hydrazine toujours, malheureusement. Ça sent mettre de l'hydrazine aussi là-bas. Et ici, ce n'est pas de l'hydrazine. De la malachite, c'est du minerai de cuivre. Malheureusement, on n'a rien. À l'heure actuelle, on n'a pas la fonderie. Oula. Et ça, c'est de l'énergie. C'est assez incroyable, hein. Parce que c'est des grosses doses d'énergie, hein. Aïe, j'étais trop prêt pour le péter, ce truc-là. Putain, c'est joli aussi, je prends. Hop, voilà ce que je vais ramener à la base. Crac. Et peut-être qu'on devrait commencer à envisager de faire une fonderie, parce que je trouve qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de compos sous terre. Ce qui est une très bonne... Très bonne chose, mais... Il faudrait qu'on puisse l'utiliser en fait, tout simplement. Enfin, les utiliser, en l'occurrence. Tiens, il y avait du... De la résine à droite. Ok, c'est par là. Il faudra que je pense à refaire ça aussi. Crac. Ok, donc on est à combien tième? Cinquième objet de découvert en termes de recherche. Ce qui n'est pas rien, en soi, hein, c'est même plutôt pas mal. On peut être fier.
Hop, allez, vas-y, fais péter, dis-moi ce qu'il y a dedans. Alors l'avantage aussi de trouver plusieurs objets du même style, c'est qu'au bout d'un moment, on va plus pouvoir trouver le comment vous savez, le, dans le rôle, en fait, il y aura plus d'objets à découvrir. Et du coup, on tombera 3 places à ciel ouvert. Ok, tu le dis. Ça doit être pour un véhicule. Et dans ce cas-là, en fait, pour la suite, on trouvera de quoi... Voilà, donc il me faudra un peu plus de composite, apparemment. Pardon, de résine. Et pas apparemment, certainement. Puisqu'il faudra... Puisque j'ai envie de continuer un petit peu... Voilà. Par ici. Crac. Et donc il me faudra 2 résines. Chose qu'à l'heure actuelle je n'ai pas. Cependant, on peut commencer à trier un petit peu tout ce qu'on a. On a double titane, donc ça c'est cool. On a un petit peu de compute, on a de l'organique qui ne sert strictement à rien pour le moment. Par contre, tiens, en termes d'énergie justement, nous disions qu'en termes d'énergie, nous pouvions peut-être construire quelque chose. Nous avons une place à ciel ouvert, voilà, donc un stockage moyen. Une éolienne moyenne, un générateur moyen. Le générateur pourrait peut-être être utilisable, nécessaire ensuite. Hop, crac. On a 2 composites à dépenser, on les dépense. On va donc avoir une source d'énergie beaucoup plus pratique, en tout cas via la base, puisque nous allons avoir des générateurs, enfin des panneaux solaires, bien plus performants, comme vous pourrez le constater tout de suite. Voilà. En tout cas, je l'espère qu'il est bien plus performant. Je pense que oui. Soyons honnêtes, je pense que oui. Mais bon, pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a ça. Je pense que retourner dans... Oh là, on a de la résine en trop. Et vous voyez que je ne perds plus du tout d'énergie cette fois-ci quand je consomme. Donc oui, je gagne plus d'énergie de cette manière. Hop. Vous voyez, je ne gaspille plus du tout d'énergie via ce système. Donc ça, c'est très très cool. Hop, allez, vas-y, fais péter le nouvel endroit. Et à cet endroit, nous aurons une fonderie qui nécessite 2 de composites. Parfait. Bon à savoir, on n'en a pas. Mais nous savons plus ou moins où en trouver. Et c'est pas par là. Ah là 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 là, on fait de la merde parfois, on fait de la merde. Ok, du composite. C'est parti. Il me semble qu'on avait donc trouvé la caverne par là, peut-être qu'on a du composite pas loin. C'est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Même si ce n'est pas actuellement ce que je recherche. Oui, je sais même où en trouver précisément d'ailleurs. Clidrazine, oui, forcément. Je vais pouvoir en trouver juste ici, regardez. Dis donc, ça brille rose là-bas, hein. Voilà, si je pouvais en trouver 2, ce serait cool. J'utiliserais bien sûr pas. Hein. En tout cas pas pour des rallonges. Hein. Je pense que ce sera tout ce qu'on... Ah, attendez. J'ai encore une fois parlé trop vite. Parfait, 2. Je vais rester là pour le moment. On en a 2. On va garder ça. On va pas l'utiliser. Ça, il faut que je l'explose, mais que je sois assez loin. Vous voyez? Tout bêtement. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, il y en a un deuxième. Alors voilà, l'hydrazine, voilà, ça se prend comme ça. Autant le prendre, ce sera fait. Maintenant que j'ai entamé. Voilà. Maintenant, je supprime ça. En dessous, il n'y avait rien, apparemment. Par contre, ici, j'ai quelque chose. Cool. Cool, cool, cool. Pourquoi je remonte tout de suite avec? Parce que c'est un des fameux composants qui, justement, pourrait nous être pratique, vu qu'on a déjà en beaucoup d'exemplaires. On va se le faire. Ce sera le dernier composant de recherche qu'on fera dans cet épisode. Ensuite, on construira la fonderie. Pas la fonderie, plutôt le... Comment le... Si, c'est la fonderie, je crois, qu'avec 2 composites. Donc, la fonderie. Et dans le prochain épisode, on pourra partir... récupérer des composants bruts pour les raffiner, tout simplement, via la fonderie. Hop, ça c'est une très très bonne nouvelle.
Le seul souci, entre guillemets, qu'on a, c'est de savoir à peu près quelle quantité d'objets de recherche nous devons trouver maintenant, suite aux différentes mises à jour, pour mettre en avant la récupération de minerais. Plateforme d'échange. Ah, intéressant. C'est ce que je voulais mettre justement ici. Génial. Alors, on va peut-être donner la priorité à la demande de l'aluminium x2. Merde. Bon. Alors, de toute façon, je vais forcément donner la priorité à ceci. Pourquoi ? La plateforme d'échange est un système de commerce. C'est-à-dire que je vais envoyer une certaine quantité avec une certaine valeur, par exemple de la résine qui a une valeur 1, pour obtenir en échange, donc en certaine quantité bien sûr, une certaine quantité de minerais d'une autre valeur. Alors un instant. Heureux, chers amis, du coup, bon, on est bon, on redescend. Alors du coup, il s'est passé 5 minutes entre temps, donc je vais sûrement revenir, il fera nuit. Qu'est-ce que je faisais ? Oui, j'avais fait de la recherche. J'expliquais ça, voilà. Je vais pouvoir échanger des composants contre d'autres composants d'une valeur différente, et donc m'acheter littéralement, recevoir par la poste, hein, chronopost, tout ça, des composants d'une plus grosse valeur qui me permettront d'optimiser un petit peu le début de cette aventure, puisque par la suite, en fait, ce sera tout simplement un système de monnaie, finalement. C'est-à-dire que vous aurez tellement de ressources qu'il faudra en faire des échanges pour, en fait, récupérer les ressources de haut tiers et ensuite pouvoir rééchanger ces ressources, vous savez, ainsi de suite, pour avoir la place qu'il faut. Vu que, par exemple, il faut 10 résines pour avoir un charbon, je mets des trucs au pif, hein, je me rappelle plus des tiers. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, en fait, je pourrais faire, par exemple, si j'ai trop de résine, eh ben, je transformerai toute ma résine en charbon pour recevoir ensuite le charbon et rééchanger le charbon contre la résine dont j'aurais besoin pour augmenter la base, tout simplement. C'est vraiment un système d'économie, littéralement, hein, et de stockage. Donc voilà. Bon. En plus de ça, ça me permettra de créer beaucoup plus de choses beaucoup plus facilement. Enfin, facilement, tout est relatif, hein, ça dépendra de ce que je trouverai. Mais sur le principe, c'est censé fonctionner comme ça. Hop. Ah, par contre, je suis parti sur celle-là, je sais pas pourquoi. Merde. Parce que j'avais dû voir aussi du malachite, tout ça, et j'ai dû partir dans ce principe-là en me disant que je trouverais ce qu'il me faut ici. De toute façon, on est parti. Donc. On va pas se faire chier. Hop là. Pas trop loin. Là-bas, il y a encore des ennemis. Ça, je sais pas si c'est agressif. Apparemment, non. Ça non plus. Ça m'emmerde l'aspect où ça semble vivant. Voilà, on sera plus d'emmerder. Malachite, c'est du cuivre. Je prends. Même si le cuivre n'est pas du tout ce que je recherche à l'heure actuelle. Je recule toujours. Par instinct de survie, je recule toujours. Là-bas, ça c'est censé être quoi? De la malachite aussi, j'imagine. Ouais, malachite. Minerai de cuivre, donc c'est pas véritablement ce qui nous intéresse pour le moment, le cuivre. C'est peut-être ça le seul problème, donc d'être venu ici. Crac. Continuons à descendre. Oula. Vous voyez, ça me dérange. Hop. J'en ai plus. Ok. Bon, bah on remonte. On descendra là par là une autre fois, je pense. Petite déception quand même. Hein. Petite déception. Mais bon, c'est comme ça. On trouvera rien d'autre. Je vérifie quand même qu'ils aient pas lâché de... Vous savez, de... De trucs là. Et au passage, j'enterre cette saloperie.
parfait, encore un petit bout. Voilà, parfait, on est bon. Du coup, beaucoup de malachite. Ce qui, je l'admets un petit... Je l'admets, m'emmerde un peu, pardon. Il y a un truc là. Bloc carré, je prends. Un carré, pas vraiment finalement. Ça ressemble plus à des... J'irais à de la ciboulette. De la ciboulette zoomée de très très près et dans le mode astronir, c'est-à-dire plein d'octogones. De polygones, je dirais plutôt. Parce que dans le terme octogone, c'est forcément vite. Donc ouais, c'est un peu particulier comme principe, mais pourquoi pas. On va remonter tout ça. On va le ramener à la base, en plus il fait jour, c'est génial, on va pouvoir on va pouvoir faire de la recherche. Mais bon, on trouvera, vous inquiétez pas, on s'en sortira. Hop, allons-y. En tout cas, je pense qu'on devrait pas être très très loin de tomber des choses intéressantes. Que ce soit en termes de composants et de recherche. Je sais qu'il y a des augmentations qui vont être extrêmement intéressantes pour moi, qui suis un petit peu maniaque sur les bords, hein. C'est un euphémisme même, je dirais. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a encore du boulot, je pense, pour ce jeu. Je ne savais pas trop quand, je ne sais pas trop quand d'ailleurs, je ne sais toujours pas quand sortira la fameuse mise à jour de la recherche. Je ne sais pas ce que ça impliquera, si ça impliquera qu'on recommence le jeu, etc., etc. En tout cas, le moment venu. Ok, je suis coincé. En tout cas, sur le principe, ça me dérangerait pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Là, c'est vraiment pour voir, à partir de l'update 200, à quoi correspond le jeu, finalement. Hein. On va se rapprocher quand même, parce qu'apparemment, c'est pas top, ce qu'on fait. Mais sinon, en dehors de ça... Ouais, non, je suis curieux de savoir. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner, ce système de recherche. Parce que j'imagine que s'ils font une refonte du système de recherche en soi, il y aura aussi une augmentation, à mon avis, considérable des choses, des objets à rechercher. Des différentes choses à rechercher. Donc là, une mise à jour de contenu qui va être, à mon avis, extrêmement intéressante. Mais encore une fois, je n'ai pas de date ni rien, donc je m'avance peut-être un petit peu trop tôt. C'est possible. Mais bon, Ah merde! Ah, j'ai le terme sur le bout de la langue! Je me... venge un petit peu, plutôt, on va dire, de Wild West Online, dans lequel j'ai le droit de rien dire du tout. Alors, elle a l'air de vouloir s'en aller à droite, n'est-ce pas? Donc c'est plutôt une bonne chose, si elle vient pas sur moi. J'ai même l'impression qu'elle a tourné vers moi. Et j'ai pas vu du coup ce que j'ai découvert. Ce que j'ai découvert du tout. Non, c'est bon. Stockage moyen, éolienne, générateur, panneau solaire. Apparemment, c'est rien d'ici. Ce qui peut être problématique. Quai de véhicule, ça c'est normal. Plateforme d'échange, ok. Station de recherche, ok. Condensateur de carburant, d'accord. Pourquoi pas imprimante? Bon, bah j'ai pas trouvé. J'ai pas fait attention à ce que j'ai trouvé. Peut-être ici. Rallonge, solaire, filtre. Peut-être filtre, j'ai pas vu. Vous me direz dans les commentaires aussi, parce que j'ai pas vu du tout ce que j'étais censé trouver ici. Plateforme d'échange, fonderie. Voilà, qui devrait nous faire un petit peu de cuivre. À chaque fois je me trompe. Voilà. Cuivre. C'est plutôt une bonne chose. Cependant, c'est pas ce qu'on cherchait. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux... Oh, génial. Ok. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!